Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée avec Vanguard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons garder les patients heureux, nous allons être très efficaces et réduire les décès au minimum, ou pas, hein, puisque les décès, c'est bien connu, ça fait partie de ma pratique hospitalière, pas de la pratique hospitalière, hein, il faut être réaliste de ce point de vue-là. Mais c'est pas grave. Alors, il va falloir que je forme des médecins, donc là vous allez voir, ça va devenir très intéressant. Et j'ai des patients plus ou moins opaques que d'autres, ça on va voir ce que ça va faire, porter ma réputation à 500. Donc hein, ce que je vous propose tout de suite, c'est, commencer à construire un hôpital, hein. Parce que bon, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais mon hôpital va se faire lui en moins d'un jour. Vous allez voir, une vitre ici, une porte, un petit bureau là, un petit classeur ici, un siège ici, une médecine générale, hein, ça ne suffit pas, donc il faut qu'on en construise deux. C'est mon point de vue. Donc voilà. Ah, est-ce que je vais plus petit, plus grand, plus grand? Voilà. Une deuxième médecine générale avec la porte ici, là. Donc on va faire un peu de symétrie. Ici et là, voilà. Alors, qu'est-ce que, disons... Et si on mettait une pharmacie juste à côté, hein? Allez, je suis sûr que vous aimez bien les pharmacies. Voilà, une petite pharmacie ici. Avec une porte là, une vitre ici. Et un cabinet à pharmacie, et bien là. Parfait. Bon après, parce que je sais qu'on va avoir des problèmes, on va faire une salle de diagnostic. Alors, par contre, quelle est la taille minimale qu'il faut qu'elle ait? Celle-ci, ce qui est quand même super grand. Donc est-ce que je la mets ici? Est-ce que je vais essayer de mettre un truc ici devant? À ce moment-là, ça va me pourrir un peu la vie pour la porte, à moins que je la déplace ici. Un petit couloir de deux et que j'essaye de mettre quelque chose là. Donc, on va annuler ça, on va regarder. Est-ce que je peux faire des toilettes qui font 3? Non, les toilettes doivent faire 4. Donc, eh bien, ce que je propose de faire, c'est de faire une salle des malades ici. Comme ça, je peux faire quelque chose d'un peu plus grand. Ah bon, on va mettre des vides qui vont donner dans d'autres salles, tiens. Ça, c'est offert par la maison. Par contre, on va acheter quelques lits de plus parce que je sais qu'on est rapidement à court de place dans une salle des malades. Hop, 4 lits, un bureau de l'infirmière ici. Voilà. Ça, c'est très bien. Ensuite, non, ça, on verra ça à la fin. Alors, diagnostic, il va quand même me falloir ma psychiatrie clinique, il va me falloir le gonflage, il va me falloir tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme terrain disponible? On a ça, 11 000, on a ça, 5 000, on a ça, 5 000, on a ça, 6 000. Bien, on va continuer à construire déjà dans cet hôpital-ci. On va mettre tout ce qui est basique dans celui-ci. Donc, la psy, on va la mettre ici. Ça me dérange, ça, d'avoir que 3 ici. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai de plus grand qui pourrait rentrer là? Une salle d'opération, effectivement, je pourrais mettre ça, une salle de gonflage. Ça ne peut pas faire 3, non, ça fait 4 au minimum. Eh bien, je crois que je vais faire un OR, Operating Room, ici. Que sinon je ne vois pas et ça va me déranger, ça va m'énerver beaucoup de ne pas pouvoir faire exactement ce que j'avais un peu prévu dans cet hôpital-ci. Donc voilà, donc, je vais vous baisser aussi un petit peu la musique parce que non, elle doit être bien pour vous, je vais la descendre à 4 à la place de 5. Voilà, et moi je vais baisser mon son parce que ça m'explose les oreilles, je dois bien vous le dire. Voilà, j'espère que ça n'a pas fait bugger la vidéo d'aller cliquer en dehors. Donc on va faire des toilettes ici. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas regardé, c'est est-ce que mes patients... annuler. Finir. Mes patients vont arriver d'ici. Moi, j'avais calculé qu'ils arrivaient d'en bas. Ok, donc ils vont arriver ici, donc c'est pas forcément une super idée d'avoir commencé mon développement tout là-bas. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Une salle de repos ici.
Voilà. On va leur acheter deux sofas de plus. Un sofa de plus et une télé parce que je suis sympa aujourd'hui. Sofa. Télé. J'espère que j'ai pas coincé la porte avec la télé, mais il n'aurait pas me laissé m'y mettre. Il ne me l'aurait pas laissé mettre à cet endroit-là si j'avais tout bloqué. Donc je n'ai toujours pas fait ma psychiatrie. On va faire la psychiatrie ici. Ah, voilà. Donc, un sofa, un paravent, un fauteuil ici. Parfait. Donc il va falloir qu'on commence à engager du monde. Chercheur, ça m'intéresse pas maintenant. Donc vous voyez que c'est tellement bien que j'engage le monde tellement tard qu'en fait je suis en train de me dire que je dois être en vitesse de jeu pause, donc on va passer en vitesse de jeu normale. Ce qui devrait me permettre de recruter des nouvelles personnes, j'espère. Parce que sinon on va avoir quelques problèmes techniques. Alors, trop cher, réceptionniste, 24, réceptionniste, 24, ça fera très bien l'affaire. Donc, un bureau, une dizaine de bancs, quelques distributeurs, quelques radiateurs, 16 radiateurs et 3 plantes. Un bureau, des bancs. Je suis pas sûr que ce soit très utile de leur mettre des bancs pour les toilettes, mais on ne sait jamais, les patients sont bizarres des fois. Voilà. Alors maintenant, les radiateurs. Alors ça, j'en mets jamais assez pour eux. Alors je me tais un petit peu puisqu'il faut que je fasse attention quand je les mets dans des coins bizarres d'arriver à entendre le petit ch'toc qui me dit que le radiateur a bien été posé. Voilà, ch'toc. Parce que sinon... Je ne l'ai pas mis et je n'arrive pas à... En parlant, je n'arrive pas vraiment à savoir si... si je pose le radiateur ou pas. Là, j'en ai mis un déjà ici. J'ai acheté trop de radiateurs. Bon, bah, y a des gens qui vont avoir très chaud. Hein. Voilà. Donc, quelques plantes. Voilà. Donc moi ce que je propose de faire c'est déjà d'engager des gens. Cela on va être en galère. On va ouvrir l'hôpital. Même si on est un poil en galère de médecin. D'ailleurs pas qu'un poil en galère. Alors, qu'est-ce que je peux... Il faut que je construise une clinique de gonflage forcément. Sinon ça va me manquer très vite. Et il va falloir que je construise aussi surtout un... Département de recherche, je pense, puisque je n'ai pas le Thaïlande ni rien. C'est ça, donc tout de suite on va acheter ce bâtiment-ci. Alors bien sûr il me dit qu'il gèle chez moi, voilà, ça c'était classique, j'ai mis 10 000 radiateurs là-bas. Et j'ai pas pensé en mettre dans les couloirs, locaux, département de recherche. Voilà. Placer la porte ici. Des fenêtres, non. Alors, bureau, un bureau de plus, un classeur de plus de radiateur. Bureau, bureau, et classeur. Ah, classeur, classeur. Radiateur, radiateur. Dis-moi qu'il y a des chercheurs ici. Surgeon, searcher, ça me va. Un psy, ça, je ne vais pas avoir le choix de l'acheter. Et un médecin qui sert à rien, ici, ça fera extrêmement bien l'affaire. Donc ce qu'on va faire aussi ici, c'est qu'on va faire une salle de formation. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Et vous allez voir que c'est extrêmement utile. Par contre, je vais un poil galérer, excusez-moi, à l'équiper. Un casier à livres, chaise d'études... Est-ce que je vais y arriver comme ceci? Ah ah.
Ouh, juste. Alors lui n'est pas consultant, malheureusement. Donc, attends, on va pas t'engager. Ah là 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 là. On est un peu en galère de médecin et tout ça ici, hein. Je ne vous le cache pas. On va en profiter pour aller un peu plus vite, hein. Je n'ai plus un rond. C'est assez catastrophique. Là, c'est vraiment une cataclysmique. Ah là là, je n'ai pas de patients, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de recherche. Non, c'était les recherches que je voulais, les petits tubes à essai. Alors spécialisation, 0. Amélioration, 0. Matériel de diagnostic, un maximum. Parce que le diagnostic, c'est ça qui rapporte. Alors, des médecins, un consultant, mais il fait rien. Un surgeon, ça, c'est utile. Parce que maintenant, j'ai deux chirurgiens. Alors, faire attendre un petit peu. Mon département de recherche est en train de rechercher du diagnostic. Parce que là, j'ai la médecine générale. Est-ce que j'ai une salle de diagnostic? Je n'ai pas de salle de diagnostic. Ce n'est pas intelligent du tout de ma part de ne pas en avoir fait. Et là, vous voyez que ma super organisation des bâtiments fait que je me fais complètement avoir et que je ne peux rien mettre d'autre ici. Une nouvelle maladie a été découverte. J'ai oublié de lire ce que c'était. Je suis désolé. Alors, quelques bancs, quelques radiateurs. Hop, un distributeur, parce que si je peux ramasser un peu d'argent avec ça, je prends. Oui, je chante la musique en même temps. Voilà, la salle de diagnostic, c'est très bien. Alors la recherche, est-ce qu'elle avance des médicaments? Mais non, je ne sais pas si j'ai envie de rechercher des médicaments et du matériel de soins en ce moment. Ah là 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 là. Ce n'est pas évident, évident, évident. J'ai quasi plus un rond. On va attendre un petit peu de voir. Je crains de ne devoir faire un prêt très prochainement parce que je n'ai plus un rond. Mais vraiment plus un rond. Oui, je n'ai qu'une seule personne qui fait l'entretien chez moi, j'ai 254. C'est bon, au niveau de la chaleur, il devrait pas trop se plaindre. 354, 454. Je suis à la rue. Ah là 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 là. C'est pas facile du tout. Une nouvelle maladie a été découverte, un excès costal, celle-là on l'avait déjà vu. Il faut retirer les côtes flottantes et les lui mettre dans un petit sac. Alors une urgence. Ça, normalement je crois que j'ai la... Alors la vieille bibine de la mère de Sam, voilà, ne plus avoir de parois intestinales. Effectivement ça doit faire mal, malheureusement mes deux infirmières sont super fatiguées, sont en train de se reposer. C'est une catastrophe. Les chevilles ont dû les avoir roulé trop vite sur des ralentisseurs, les chaussures ne s'ajustent plus. Et donc on lui file des herbes et des épices qui redressent, c'est sympathique. Je crains de ne devoir engager une infirmière. Et vu que j'ai pas un rond, je ne peux pas engager d'infirmière. Donc je fais un prêt. Et je... Ah là 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 là. J'ai pas un rond. Mais pas un rond de chez pas un rond. C'est pas très pratique. Alors matériel de diagnostic, ils sont en train de me chercher du nouveau matériel de diagnostic, c'est bien, $1000, merci.
je suis ruiné. Salle de Thaïlande, ça y est, je peux la faire. Bien sûr, ça va pas rentrer ici. Ça, c'était évident. Il va falloir attendre que j'achète un nouveau bâtiment. Allez, on tente. Au pire, il meurt. Lancer une invitation officielle. Alors, l'encéphalo... La tête est éclatée puis regonflée à l'aide d'une astucieuse machine. Malheureusement, il faut que je construise la machine. Prendre une chance. Là, je suis obligé de faire un prêt, d'acheter un bâtiment. Et de construire ma salle ici. Salle de Thaïlande. On va la faire la plus petite possible. Ah là 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 là. On la cale tout au fond dans le coin ici. Voilà. Donc, est-ce que je peux engager un psy-chercheur? Ça me va. Est-ce que par hasard, je n'aurais pas un médecin consultant dans tout le tas? Je vais vous expliquer ce qu'est un médecin consultant. Non. Là, vous voyez ici, il y a trois niveaux. L'interne, qui est le plus faible niveau d'expérience. Le médecin et la grosse voiture correspond au consultant. Et un médecin consultant est capable d'enseigner aux autres médecins sa spécialité. Ce qui fait que si on a un consultant de chaque spécialité, on peut former nos propres médecins de manière à ce qu'ils deviennent tous, eh bien, dans cette spécialité-là, ce qui permet de former des triples spécialistes, ce qui est excessivement pratique. Et donc, si jamais un jour j'ai un peu de pognon, ce qui est pas franchement sur le point d'arriver ici, j'aurai des triples consultants. Enfin, j'essaierai de me former des triples consultants. Alors, normalement, ils ont dû découvrir du nouveau matériel de diagnostic là-dedans. Rayon X, forcément. Allez, on attend, on va construire un rayon X. Ça prend une place folle et ça coûte un pognon de frapper. Avoir croqué les glaçons de son cocktail. Voilà, il faut des chirurgiens. Malheureusement, des chirurgiens, je n'en ai que deux. Donc, il faut que je trouve mon deuxième chirurgien. Est-ce que je peux pas en engager un nouveau par hasard? Si, hop. Ah, je crois que j'ai eu un mort. Alors, on attend. C'est pareil. On prend une chance, au pire. Comme je le dis souvent, il meurt. Donc la banque, bonjour, il me faut de l'argent. On attend. On construit une salle de rayon X. Ça va prendre une place folle ce truc encore. Voilà. Alors, le rayon X ici, le truc de contrôle là, voilà. Alors, permet de photographier l'intérieur des bases de l'app, il faut un médecin forcément. Je crains qu'il faille que j'engage un agent d'entretien de plus et que je le mette à uniquement réparer les machines et un peu les plantes. Alors, qu'est-ce qu'il se passe après avoir visité? Mon hôpital est bien, j'ai 2000$, merci. Ça me fait plaisir, vu que j'ai comme 20 000$ de frais déjà engagés au niveau de la banque. Alors, un radiateur, un banc, un truc qui permet de rapporter de l'argent, et un radiateur. Je crains qu'il ne faille rajouter un deuxième radiateur prochainement, parce que j'ai mis celui-là comme une bouse. Une nouvelle maladie a été découverte, un psychiatre, parfait, la téléincarnation. On vous dit d'arrêter la télé et de prendre la radio. Très bien. Alors, l'invisibilité par une fourmi radioactive et invisible, c'est très pratique. Il suffit de boire un liquide coloré, c'est très pratique. Et vu que la radio, à chaque fois, ça me rapporte 200$, moi, j'aime bien. Et puis, parce que je suis méchant, on va regarder la radiographie. Diagnostic rayon X. 105%. Voilà.
ça c'est bien. Alors où est-ce qu'ils en sont? Voilà, donc diagnostic, salle de cardiomachine, parfait. Bien sûr ça va jamais en... Oh, oh c'est un miracle, ça rentre ici. Voilà. Hop, un petit paravent ici. Et il faut un médecin, j'imagine. On attend un petit peu, je viens de faire une cardiomachine. Alors, un radiateur, deux bancs, trois bancs. Un, deux, trois bancs. Et un radiateur ici. Alors, médecin, qu'est-ce que je peux acheter comme médecin? Un psy-chercheur, ça me plaît. Déjà, le... je pense que j'ai beaucoup de personnel. Voilà, on va rembourser un petit peu de... Eh bien, un petit peu de, d'argent, parce que ce sera mieux. Une urgence, c'est quoi? Roupillante, c'est un traitement pharmaceutique, ça va. Alors, le plus riche, c'est clairement pas moi. Le plus haut salaire, j'éclate tout le monde. Guérison, j'explose tout le monde. Décès, pareil. Visiteur maxi, pareil. Valeur totale, je les atomise de manière stratosphérique. Nouvelle maladie a été découverte, parfait. Alors, je voulais faire quelque chose, mais j'ai oublié quoi. Non, là c'est très bien, là c'est très bien. Il me faut un personnel de nettoyage de plus. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies. Parfait. Ah, je peux rembourser la fin de mon prêt. J'ai de l'argent, c'est un miracle, j'ai de l'argent. Alors est-ce que je peux engager des consultants? Non, par contre j'ai vu un chirurgien qui coûtait rien. Donc je l'achète. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau truc? Salle de scanner. Eh bien je vous propose, hein, on va construire un scanner. Chute spectaculaire sur du béton, c'est une fracture. Un plâtre est posé, puis ôté à l'aide d'un équipement au laser. Eh bien, je vous propose que on fasse un équipement au laser. On va acheter, disons, celui-ci ou celui-là? Celui-ci, c'est moins cher. Hop. Alors, vous allez voir que c'est passé. Alors, donc, on a dit que traitement... Cabinet psychiatrique, salle des malades, salle d'opération clinique... Salle de réduction des fractures, on va mettre ça ici. Voilà. Avec une super machine. Alors, des infirmières, je crains qu'il ne faille en engager quelques-unes. Alors, une qui coûte pas très cher. Voilà. Donc, quelques bancs. Ah. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va condamner cet espace. Alors j'avais dit que je voulais faire une salle de scanner et vous allez voir que ça ne va pas rentrer. Ah si, c'est super. On va mettre la porte ici. Avec le scanner là, le machin contrôlé ici, le paravent là. Alors, il faut un médecin, mais je pense que j'ai assez de médecins et que j'ai plus d'argent. L'un va souvent avec l'autre. Alors deux radiateurs, deux bancs. Un banc, deux bancs, un radiateur, et voilà. Donc je pense que je vais d'ailleurs pouvoir baisser mon tarif de rayon X. 100%. Je suis un hôpital conventionné sécurité sociale. Peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau ici? Médecine générale, j'en ai. Salle de diagnostic, j'en ai. Cardiomachine, j'ai. Scanner, j'ai. Rayon X, j'ai. Psychiatrique, j'ai. Ça, j'ai. Ça, j'ai. Locaux. Eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour... Ah, bon, on va regarder le... On va zoomer un petit peu pour que vous voyez le plâtre. C'est assez marrant. On met le petit seau. Whoop, ça sort. Et le patient ressort et me file 450$. Ce qui est plutôt bien. Donc j'essaie de retrouver le zoom classique, doit être à peu près là. Donc voilà. J'aimerais bien trouver un médecin consultant à un moment ou à un autre. Oh, je le garde. Un triple. Je n'ai aucun consultant. C'est pas très cool. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a au niveau d'ici? Fil 2, ça c'est bon. Fil 1, ça c'est bon. Fil 0, c'est bon. Toi qui es...
Au revoir. 6 personnes atteintes de téléincarnation, ça se tente. Cabinet de psychiatrie, on va en faire un deuxième ici. Hein. En espérant qu'il ne soit pas idiot et qu'il qu'il se split. Mais je crains qu'ils n'aillent tous ici. Voilà, les 6 de la file se sont mis là. Et forcément, j'ai pas de psychiatre qui a décidé de venir ici. Et ça, c'était pas logique du tout, puisque j'en ai pris un qui avait une faible compétence, donc il va mettre des milliards d'années pour soigner chacun. Mais il me rapporte 1 000 $ à chaque fois. Ouais, ça me va. Lancer une invitation officielle. Scanner, 300 $ à chaque fois. Vous voyez, mon hôpital tourne plutôt bien, donc je pense que le niveau des recherches, voilà, ça c'est terminé. Donc on va rechercher du matériel de soins, beaucoup. Et une fois qu'ils auront fini ça, on va rechercher beaucoup plus. Alors ça, tout ça c'est fait, traitement tout ça c'est fait, clinique tout ça c'est fait, locaux tout ça c'est fait. Ah si, je vais réussir la téléincarnation. Pas de beaucoup, mais je vais réussir. Voilà, nettoyer et faire des plantes. Donc ici, taille 1, taille 2, finesse comptée 1. Je crois que je vais faire une médecine générale de plus ici. Diagnostic médecine générale. Et je crains qu'il ne faille engager encore des médecins. Je passe mon temps à engager des médecins. Voilà, donc est-ce qu'il y a un consultant qui est disponible? Et malheureusement, toujours pas, donc on va engager lui. Banc radiateur, voilà. Donc, c'est très bien, là il n'y a pas de file d'attente, là il y a de la file d'attente, là il y a de la file d'attente. Je pense qu'il va falloir que j'augmente la capacité de ma salle de repos. Cela, ça commence à être un peu juste. Sofa, table de billard, sofa. Table de billard, sofa. Je pense que je l'ai foutu n'importe comment, mais c'est pas grave. Donc, toujours pas de consultant. On va engager une infirmière de plus, parce qu'on sait jamais. Avec tout ce que j'ai, il va falloir que j'engage. Voilà, donc ça c'est très bien. Ici, il manque un chir. Ah là 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 là. Voilà, il y en a un qui vient d'arriver. Donc on va enlever des excès costauds ou des trucs comme ça. Autant vous dire, l'hôpital tourne plutôt bien maintenant. Alors qu'est-ce que j'ai de nouveau qui a été créé ici? Que dalle. Ouais, je pense que j'ai déjà tout. Alors, on va faire de la recherche d'amélioration à 30%, de la spécialisation au reste, puisque recherche de médicaments, je pense que c'est quasiment terminé. Ah non, c'était pas terminé, il en reste encore un petit peu. 280 sur 10 000, 6 sur 3 000, aucune recherche n'est effectuée dans cette catégorie. Donc la spécialisation, il cherche rien dans la spécialisation, c'est ça? Ok, donc on va diminuer ça à 20%. On va augmenter ça à 50%. Voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas, je ne pense toujours pas. Non, médecine générale, j'ai, salle de diagnostic, j'ai, salle de cardio-machine, j'ai, salle de scanner, j'ai, rayon X, j'ai, psychiatrie, j'ai, salle des malades, j'ai. Ça c'est pareil, j'ai, ça j'ai, et ça j'ai. Donc c'est très bien. Je crois qu'il va falloir aussi que j'agrandisse un peu mes toilettes. Loco-toilette.
Voilà. Hop. Alors, toilette, lavabo. Lavabo, lavabo, lavabo. Toilette, toilette, toilette. Voilà. Parfait. Donc mon hôpital tourne plutôt bien, statut. Il me manque un petit peu d'argent pour gagner. Le solde bancaire doit être environ 50 000. Mon hôpital doit valoir 100 000, je l'ai. Au moins 7 500, elle est à 600. Donc normalement, comme ceci, on devrait pouvoir arriver. Parfait, il est content, il a visité mon hôpital. J'ai 2000 dollars. Une petite urgence. 9 personnes de Catarum. Envoi. Ça devrait le faire. Ce 9, c'est quand même beaucoup. Et j'ai une seule pharmacie. Je crois que pour la suite, je vais en construire une seconde ici. Hop. Une deuxième pharmacie. Voilà. Oh, c'est un miracle. Ils se sont séparés. Je crois que j'ai eu un mort avec le son que vous n'avez pas dû entendre. Mais le goût. Voilà, là j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, au niveau de la recherche, on en est où ? Recherche des médicaments. Ils continuent les médicaments. L'amélioration, ils améliorent mon équipement. C'est très très bien. Taille de la file 6. Donc ça veut dire que de l'autre côté, ils ont fini toutes les urgences. Donc voilà, elle prend la dernière urgence. Et je crois que c'est fini avec les urgences. Il en reste 2 ici. C'est très bien. Ça se fait sans aucun problème. Est-ce que je peux trouver un consultant maintenant ? Toujours pas. Je crois que je vais arrêter d'engager des médecins puisque là je dois déjà j'en ai 13. Ça commence à suffire un peu. Donc c'est parfait, parfait. L'urgence est terminée. Le dernier de l'urgence est en train de passer. C'est parfait. Et bien mon hôpital est un peu bordélique. Mais normalement, si on regarde les conditions de victoire, si j'avais cliqué sur le bon, il ne reste plus qu'à avoir 50 000 sur le compte bancaire. Et ce sera bon. Ah, 8 personnes sur 9. C'est dommage. Alors, où est-ce que c'est pas assez chauffé ? Ici et là. Donc on va acheter 4 radiateurs. Pas des extincteurs de radiateurs, 2, 3, 4. Un radiateur ici. Un radiateur ici. Un radiateur. Bah, radiateur là, hein. Et un radiateur ici. Voilà, vous avez moins froid ? Non, c'était ici. Non, eh ben on va... Eh bien, nous allons pousser le chauffage. Allez. Non, 2000 quand même pas, hein. 1700. Ah, vous allez avoir chaud maintenant. Alors, le plus riche, c'est moi. Le plus haut salaire, c'est moi. Le plus de guérison, c'est moi. Le plus de décès, c'est moi. Le plus de visiteurs, c'est moi. La valeur totale, c'est moi. Parfait. Il faut que j'engage du personnel d'entretien. Tu nettoies. Je vais en engager encore un de plus s'il y en a un pas cher. Allez. Tu nettoies. Voilà. Eh bien, c'est parfait tout ça. 60 000, donc j'ai toutes les conditions de victoire. Et voilà. J'ai toutes les conditions de victoire. Ah oui, les graphes ne fonctionnent pas, c'est vrai. Eh bien, ça ne devrait plus trop tarder pour avoir la suite. J'espère que vous avez aimé encore... cette petite soirée avec Vanguard et mon nouvel hôpital. Donc vous voyez que ça devient un peu plus intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu faire de formation dans cet épisode. Mais j'espère qu'au prochain épisode, nous pourrons arriver à faire de la formation de médecin. D'ailleurs, il me semble, le prochain ou celui d'après, on n'a pas le choix. Donc vous allez voir ça très prochainement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il me propose la victoire.
et de du coup l'hôpital suivant. Ça ne devrait plus trop tarder, mais bon, si ça se trouve, je vous ai dit bonsoir alors qu'on va encore se garder 5 minutes, mais on va voir. Parce que là, de toute manière, il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Je pense. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Non, ça, je ne sais pas, ça, c'est les gens qu'il doit y avoir en fil. Aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Avancer du diagnostic. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? Quasiment fini, on va savoir maintenant. Ah, il faut qu'elle retourne voir son médecin, c'est ça? Bon, on va la suivre, tiens, on va regarder ce que ça donne. En route pour médecine générale, effectivement, elle a fait donc tout son cycle de diagnostic et elle retourne en médecine générale pour savoir ce qu'elle a, donc nous allons voir ce qu'elle a. Si ça se trouve, j'ai encore un petit peu de prêt. Catarrhume. Donc elle a fait un scanner pour une catarrhume. Non, je n'ai plus de prêt. Une urgence. Il y a un incident dans le pub Frog Bell, sachant que c'est Bell Frog qui fait le jeu. Allez, augmente. C'est une blague sur... l'éditeur du jeu original Bellfrog. Et donc le... C'est pas mal, c'est bien pensé. J'aime bien cette blague. Alors est-ce que l'urgence passe devant ou pas? Grande question. L'urgence passe devant, c'est bien. Ah ah ah, là, la suite. La suite, et voilà, c'est splendide tout ça. Allons sur un nouvel hôpital. Et donc nous allons voir... Voilà, c'est celui-ci. Donc vous voyez, les médecins sont frais et moulus de l'université. Il faudra vite construire une salle de formation pour les amener à un niveau acceptable. Et j'ai donc, vous voyez ici, deux. Donc je dois avoir trois consultants qui vont me permettre de les faire. Puis échelon 400, capitalisation 50 000 et tout ça. Ça, c'est facile. Et donc, bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle soirée avec Vanguard, pour cet hôpital avec des médecins qu'il va falloir former. À bientôt.